Bonsoir YouTube, bonsoir à vous mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Ce soir on se retrouve pour un petit live chill, tranquillou milou. Alors je vérifie juste un truc, le micro est ouvert, on est bien. Bon, il va falloir que je fasse quelque chose pour ce stream deck là, hein. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bienvenue évidemment pour ce petit live chill découverte. Robocop Rogue City. Notre ami Thanos nous en avait parlé. Et ce personnage emblématique de la pop culture des années 80-90, un film hein, réalisé par Paul Verhoeven notamment, a marqué toute une génération hein, de cinéphiles, puisque il a un peu balayé les codes des films de l'époque et a ouvert la porte à toute une nouvelle série hein, de films de science-fiction. Et petite info comme ça, si jamais vous voulez en savoir plus, il y a une petite série sur Netflix hein, qui retrace l'historique de certains films. Et ce film légendaire s'y trouve, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est un petit documentaire vraiment, vraiment sympathique. Alors forcément, on parle de Robocop. Robocop, hein, ce personnage donc de la pop culture, qui a eu quelques jeux, pas forcément les meilleurs, des jeux passablement, voire oubliables. Voilà, hein, même une petite confrontation avec Terminator. Je crois qu'il y a même eu des jeux où on retrouve Predator, Terminator, Robocop. Il apparaît également aussi dans les séries Mortal Kombat, notamment, je crois que c'était Mortal Kombat 10, je crois, où dedans on retrouve des personnages de la pop culture, hein, tels que, je crois, il y a Robocop, il y a Leatherface, Alien, Freddy et d'autres personnages, voilà, toutefois hein, issus de films. Bon. Les adaptations de films en jeu vidéo, à voir, c'est probablement souvent meilleur que l'inverse, on va pas se mentir, mais en tout cas, j'avais envie de l'essayer. Alors bon, on va vous mettre cette petite musique, on va remettre le son du jeu, on va se plonger dans l'ambiance, j'ai mon petit café, voilà, je vous mets la petite musique tranquille, voilà, hop là, attendez, bougez pas. On va faire ça, option. Voilà, on va faire audio. Et on va mettre la musique. Voilà, hop. On verra si c'est bon pour vous. Cette petite musique, hein, petit main theme repris au piano. Ah là là, ça nous rappelle la bonne époque des années 80-90 où. Le cinéma était en pleine effervescence. Alors, le film a été lancé, enfin, est sorti par les studios Orion, qui avaient notamment, au préalable, sorti le premier Terminator. C'est pas rien, c'est pas rien. Et le film n'a même failli jamais voir le jour. Il a une espèce d'aura comme ça, où les grands films, les films cultes, eh bien, ont souvent des débuts un peu compliqués. Un casting 3 étoiles, forcément, hein, Peter Weller, le personnage qui interprète donc Robocop, mais pas que, tout un tas de films. À la base, hein, ça aurait dû être, je crois que c'est Iron, mais je ne me rappelle plus son prénom. Et ils avaient même pensé à Peter Fonda et tout un tas d'autres personnes, mais finalement c'est Peter Weller qui a décroché le rôle. Et même s'il a fait un petit peu sa diva, bon, ça l'a fait quand même, ça l'a fait quand même, incroyable. Souvenez-vous de ce thème musical. Ah là là, allez, on va tester ça, on va voir évidemment si le jeu tourne bien. Oui, j'ai une belle tenue, n'est-ce pas? Le Game Stream est rose, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous le rappelle, du 27 au 30 octobre, ça arrive bientôt! Ça arrive bientôt, vous voulez en savoir plus? GameStreamHeroes.fr. Il y a les réseaux sociaux du GameStreamHeroes, Twitter, Instagram, TikTok. Allez-y, c'est le moment, je vous rappelle, un événement, un marathon gaming de 73 heures au profit de l'association Petit Prince. C'est important, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de se retrouver à ces dates pour essayer de récolter un maximum de dons avec nos streameuses, nos streamers, nos invités. Et croyez-moi, il y a du beau monde cette année, c'est moi qui vous le dis. On fait évidemment une grosse bise à toutes les équipes qui travaillent sur ce Game Stream Heroes et évidemment à tous nos partenaires qu'on remercie pour leur soutien. Bon, coucou Ika, salut ma petite natte, comment ça va? Je faisais ma petite outro,
Tranquille, voilà. Chilou. Tu l'auras reconnu, hein. Le petit thème qui va bien. On Robocop, évidemment. On va peut-être baisser un petit peu le son de la musique. Un chouï, voilà. Comme ça. On va mettre à 45. C'est bien 45. Voilà. On va jouer, je pense, à la manette. Je vous affiche. Hop! Regardez-moi ça si c'est pas beau. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Hein? Robocop. J'en prendrais pour 1 dollar. J'en connais un à qui ça devrait parler, notamment notre bon Musti, à qui on fait un gros bisou. Ouh, le café, il est chaud. Il est chaud le café. Comment va ma petite natte? Ma petite modératrice? T'inquiète pas, je sais une phrase que tu pourrais me mettre. Rika, c'est pas ton planning. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, Rika? C'est pas ton planning. T'inquiète pas, il arrive. C'est qu'on a tellement de choses à voir et à mettre en place que c'est vrai que là, on a vraiment des impératifs. Et tu auras, t'inquiète pas, mon planning sans problème, ma petite natte, c'est promis. Bon, trêve de plaisanterie, il est temps, il est temps. Je vais tout simplement enlever la cam, le chat, le temps hein, de découvrir l'intro du jeu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est parti sur Robocop. Allez! Voilà. Voilà, j'enlève le chat. Voilà. Alors évidemment, n'hésite pas, ma petite natte, à me dire si c'est bon pour toi le son du micro et le son du jeu. Et une fois que ceci est validé par notre très chère modératrice, eh bien, on lance la partie. Je pense au moins qu'on peut lancer la cinématique. Allez, on va lancer la cinématique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est parti! On va jouer en normal. Let's go! Petit temps de chargement. You give us 3 minutes and we give you the world. Good evening. I'm Casey Wong. A military submarine that went missing over 3 years ago has suddenly reappeared in the Baltic Sea. Confused seamen mistakenly opened fire on the last Lapland reservation, killing 12. Thankfully, our homesick sailors are back on U.S. soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. It must be cut out, and OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit. Get your hands off me. Shut I'm sorry. Up. There seems to be a disturbance? I'm a big fan. Now move. Adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the number one supplier of nuke in old Detroit. The most potent, addictive drug available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer
Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. A lifetime supply of nuke. Oh man, you're gonna have the time of your life. There you go. Enjoy. New guy, us Torchheads are more than capable of doing whatever you need done in our city. What is it, huh? Arson? Smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money, we've got the power. So let's talk. Ok, bon, c'est une démo, je vous le rappelle, hein, il y a quelques petites choses qui devront certainement être améliorées alors qu'on accueille Thanos. Bonsoir Thanos, je savais que tu ramènerais le bout de ton museau. Il y a du Robocop, il y a du Paul Verhoeven, il y a du Peter Weller, et hop, le Thanos qui apparaît direct. Alors, le jeu, hein, comme je vous l'ai dit, attention, c'est une démo. Donc, il va peut-être y avoir des petits bugs ou des petits trucs pas forcément ouf. On a pu voir la synchro, aller claquer au sol. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous laisse en fou. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Direct. On est plongé dans l'action directe comme ça. Ah ouais, sans même un petit bisou, sans même. Alors, voyons voir. On va faire un truc. Déjà, option. On va regarder un truc. Subtil. Ok, subtil, c'est. Voilà, tu peux pas choisir la langue. Bon. Ok, contrôle. Ok, Ok, bon. Pas encore de version sous-titrée en français, si pas grave. Le jeu a l'air plutôt joli, je dois bien le reconnaître. On va voir si ça tourne bien, on va faire quelques petits tests. Oh là là, on reconnaît. Ah, le jeu est assez joli. Hein. L'ambiance est là. Alors, ça commence cash. On retrace un peu l'histoire de Robocop, mais j'imagine que il va y avoir peut-être une petite séquence de flashback par la suite, parce que là, on est direct le personnage. Alors. Oh, le son de cette démarche. Oh là 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 là. On se croirait vraiment dans la ville de Détroit. D'ailleurs, le film a été tourné, je crois, dans le Michigan, si je dis pas de conneries. Et pas à Détroit même. Enfin, à Dallas, je crois. À Dallas. Oh là 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 là. C'est trop cool. On retrouve l'ambiance bien glauque. Bon, j'imagine qu'il va falloir se rendre sur la scène du crime. Voilà. Pam 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 pam. I wouldn't bother. I already ran the plates. You should know by now when it comes to evidence, we're orders. J'espère que les cinématiques sont à la hauteur de ce que j'ai pu voir. Et que le PC va supporter. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hein, ça a l'air d'aller. N'hésitez pas à me faire un petit retour si ça vous plaît, si c'est bon pour vous. Si le son du jeu est assez fort. Regardez les reflets sur les voitures. C'est super cool. C'est vraiment cool.
Il y a eu un joli carnage. Hein. Et on se souvient évidemment du méchant emblématique dans Robocop, Clarence. Et ce personnage torturé hein, qui est Robocop, je vous le rappelle, hein, alias Murphy, qui est un agent donc de la police de Détroit, qui va se faire littéralement pulvériser, c'est le mot. Monte un peu le son du jeu, mais évidemment avec plaisir. Alors on va le monter directement via OBS, comme ça vous me direz si ça vous va ou pas. Alors hop, où je suis garé? Allez où ma petite souris? Ma souris. Elle est là. Oui mais j'ai la vue sur l'autre écran, moi, s'il vous plaît. Alors on va faire ça, on va faire tac. Hop, comme ça, ça ira plus vite. Hop, voilà. Hop là. Et tu me diras ma petite note si ça te va. Alors, on va même le remonter un petit peu dans les options. Excusez-moi, j'ai un peu la voix enrouée. Voilà. Ok. Tu me dis si ça te va. Oui, le son est un peu léger, enfin. Thanos, lui, veut entendre le... Il veut entendre le bruit. C'est mieux pour vous, là? Vous êtes bien, là? Vous me dites, hein, si vous voulez plus, on vous donne plus. Hein. Vous le savez, je suis généreux, moi, sur la chaîne. Il n'y a pas de problème. Donc, comme je vous le disais, hein, Alex Murphy est un policier de Détroit qui, malheureusement, va faire la rencontre du grand méchant, hein, Clarence. Va très, 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 très mal finir. Et je mets beaucoup de très, 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 parce qu'ils vont littéralement, et c'est peut dire, l'exploser. C'est-à-dire qu'il restera que quelques morceaux, entre guillemets, de Murphy, quand il sera ramené eh bien, à l'hôpital. Hein. Il va perdre une main, il va perdre ses jambes. C'est un carnage. Ils en font littéralement de la charpie. Et à ce moment-là, l'OCP a un projet. C'est de mettre en route un nouveau policier, parce que dans la ville de Détroit, c'est littéralement le bordel. Et ils ont déjà fait des tests, mais ils ne sont pas concluants. Et arrive enfin au Robocop. Je crois que c'est le même studio qui avait développé le jeu Rambo il y a quelques années. Du coup, il y a quand même du mieux. D'accord. Allez, si c'est bon pour vous, on y va. C'est la voix de Peter Weller? Non. Who do you think is going to clean up this place? I'm not letting you off that easily. You sound just like my wife. If that's the case, let's get you patched up. Alors, est-ce qu'ils ont modélisé le visage des acteurs? Ce serait énorme. Apparemment, oui. Ah, où ça y ressemble plus ou moins? Donc le partenaire de Robocop, Lewis. Ah, ils veulent pas. You can't go in yet. We need to wait for the reinforcements. Reinforcements have arrived. I know you'd say so. Les renforts sont arrivés, j'adore. We need to find another way. It is too dangerous to cross. Oh là là, c'est super bien fait. C'est très joli, je trouve. Hein. Alors, on en parlait justement hier avec Thanos. Ce n'est pas un triple A, c'est un double A avec du budget.
Hein, et je ne, c'est pas moi qui l'ai dit, clairement, mais c'est ce que je pense également. C'est notre cher youtubeur Benzaï, qui je pense, hein, est incollable sur le sujet. Oh là là, ce son de démarche, incroyable. Je vous laisse profiter, hein, c'est pour ça que j'ai pas mis la cam. Je vous laisse profiter. On va voir comment se comporte le jeu. Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'on a un petit tuto? Le jeu est assez lourd par contre. Ah ouais, le personnage est comme dans le film, hein. C'est très lourd. Et est-ce que si j'appuie? Ah oui, évidemment. Ah là là. Alors, je me demande si c'est voulu, hein. Je pense que c'est voulu. Oh la vache, les pruneaux. Oh là 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 là. Oui, si c'est une démo, c'est qu'il n'est pas encore sorti. Oh là là, les pruneaux que t'envoies. La balle a traversé le mur. Hein. Regardez la gueule du mur là-bas. Alors, on peut ramasser apparemment des armes, mais bon, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, je veux dire, c'est Robocop, quoi. Ouais, mais ça, je m'en fous de ça. Et t'es tout seul, toi, pour me tirer dessus? Oh, la balle dans les cacahuètes! J'ai même pas fait gaffe. D'accord, c'est qu'on a un nombre de munitions... d'accord. Alors, je sais pas, du coup, si j'ai bien fait de ramasser les armes ou pas. Je vais quand même les ramasser au cas où. D'accord, ça c'est pour changer les armes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut... Oh, on peut mettre des patates. Des patates de forain. Oh là 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 là. Sortie prévue quand? Je sais pas s'il y a une date officielle. Parce que je crois que le jeu est toujours en phase de développement. Enfin, ils sont sur la fin. Mais je sais pas s'il est sorti. Ou s'il y a une date... Je peux pas trop te dire, ma petite Nash. Je préfère pas dire de bêtises et pas trop me prononcer là-dessus. Ah, je pensais que... D'accord. All beer. D'accord. Ok. Alors on doit avoir certainement un... Ok, on a des armes là. L'ambiance est là. Elle est là derrière. Je suis pas trop. Moi je suis pas trop joueur manette, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, il s'est fait sauter la gueule. Je lui ai arraché la main. Le 2 novembre. Oh putain, après le GSH quoi. Donc on peut s'auto-soigner. Alors, est-ce qu'on a d'accord, les objectifs, skill, archive, map, d'accord. D'accord, pour l'instant on peut rien utiliser. Ok. On est limité dans la démo. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas faire de. Ça
Dommage qu'on ait pas le ciblage comme dans le film en fait. Enfin, on l'a plus ou moins, mais le personnage est assez lourd. Oh la, la tête qu'il a pris lui. Ok, se diriger vers les. Oh stylé! Oh stylé! Oh, c'est stylé, c'est stylé. Franchement, c'est stylé. C'est très stylé. Ouh là 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 là. Le jeu est sexy. Le jeu est sexy. Lewis, you're here. We need to get these elevators back online. The service box is in the basement. Let me. I doubt you had time between all the heroics, but I got a key card from the janitor. It's good to do some real street work from time to time, you know. After you. Il allait passer à travers le mur, lui, il a pas le temps. Hein. Et pour info, pour enfiler le costume, la première fois que Peter Weller a dû rentrer dans le costume, 14 heures de préparation. 14 heures de préparation. Ça leur a littéralement niqué une journée de tournage. Et croyez-moi, le tournage de Robocop, ça a été une vraie galère. Ça a été une vraie galère. Bon, allez, je vais remettre la, uniquement la cam. Allez, hop, voilà, tac, tac. Voilà, on reste comme ça, on reste entre nous, là, tac. Allez, en tout cas, oh là là, oh là 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 là, mais que c'est cool. C'est dommage, il n'y a pas le mode rafale. Ou alors, je sais pas comment l'enclencher. Alors, un combat, machin, un... D'accord, donc on va avoir après un arbre de compétences avec le, des skills et tout ça. Oh là là, ça... Mon Dieu, ça va être cool. On peut rien faire pour l'instant? Non. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Les archives, le skill. Ok. Les objectifs, hein, la map, d'accord. Ok, d'accord, on a les symboles comme dans le film avec bah, l'objectif premier, objectif secondaire, ami, ok, porte de secours et les portes fermées, d'accord. Oh, j'aurais tellement aimé avoir le tir auto. Vous savez, le mode rafale, ça aurait été ouf. Comme le dit si bien Benzaï, c'est un jeu, une sucrette pour les vieux. Oh là là, mais que cette phrase. Alors, j'ai fait en sorte de ne pas regarder tout le live de Benzaï parce que je ne voulais pas me spoiler non plus. Mais effectivement, je dirais même que c'est une friandise pour les enfants des années 80-90. Voilà, c'est une petite friandise. Allez. Alors, le gameplay est assez rigide. Je vais pas vous mentir, hein, c'est assez rigide quand même. Oh là 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 là. Je suis même tombé sur la vision nocturne. Eus, salut mon bon Mac Sebladeleux. Tu l'auras reconnu à cette démarche. Est-ce que ça va? Du coup, le son, ça vous plaît? Est-ce que c'est assez fort pour vous? Voilà, des notes. Plus 25. That voilà. Graffiti is fresh. Ces graffitis sont frais. Bien regardé partout. Oh, c'est Stylax. D'accord, il y a du monde derrière. Ok, c'est ça. OCC Corp charge. D'accord, on a une charge. Je sais pas à quoi ça correspond. On a du nuke. Est-ce que vous vous souvenez ce que c'était ça, le nuke? C'était la drogue des méchants.
Crime Evidence. Oh là 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 là. C'est dommage qu'on puisse pas lancer un scan, comme dans le film, vous savez, quand il rentre dans une pièce, tac, il lance le scan, t'as tous les trucs qui apparaissent, tout, 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 tout. Ah, ça aurait été tellement incroyable. Moi, je suis comme un gamin, hein, même si le jeu, au final, ça se trouve, c'est un sinistre étron. Hein. Mais en tout cas... Ah, c'est dommage, là, la manette, je suis pas... C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf à la manette, c'est un peu... C'est un peu raide, hein. Est-ce que je peux changer un petit quelque chose, peut-être? Option, est-ce que je peux alléger un peu le... Oula, 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 oula. Est-ce que je peux peut-être alléger un petit peu le gameplay avec les contrôles? Oh, bah... Ah ouais, ça va pas être ouf avec... Bon, c'est pas grave, on va le jouer à la manette pour cette fois. Alors, bien regarder autour. Dès qu'on voit un petit point, c'est qu'on a... évidemment, vous l'aurez compris, des indices. Encore du nuque, on va se mettre bien. Ah. Lewis, rigole pas non plus. Eh, hey, Alice Cooper, là, calme-toi, là. Je me demande si je vais avoir assez de balles, quand même. Oh, les cacahuètes! Attends, c'est qui, là, qui est... Ah, c'est qu'il y en a un qui est planqué, d'accord. Je me demande s'ils ont... Oui, évidemment. Oh là là. Le nuque, c'est la drogue de Robocop 2, il me semble. Oui, complètement. Du coup, le jeu pourra se passer entre le 1 et le 2. Apparemment. C'est pas non plus une science exacte, mais je sais pas où, du coup, se situe pour l'instant l'action. On est déjà Robocop, donc c'est pas le début. Donc j'imagine qu'effectivement, ça doit être... entre les deux, un entre les deux peut-être. Est-ce qu'on va retrouver les antagonistes phares de Robocop? C'est pas impossible non plus. Oh, cette démarche. Puis c'est ce son surtout. Moi, je me rappelle la scène où il rentre dans le commissariat pour la première fois. Alors, le personnage Robocop, en plus, c'est subtilement fait, parce que Paul Verhoeven est un réalisateur que j'adore vraiment. Et il avait ce côté, justement. Oh, les cahouettes! Oh, les cahouettes! Oh, je l'ai plié en deux, du coup. Et c'est vrai que Paul Verhoeven avait voulu, en fait, déjà, pour faire en sorte d'atténuer un peu le retard qu'ils avaient sur le tournage... Attends, est-ce que ça va passer ça? Non, faut pas abuser non plus. Il est mort ou... Je vois son nom. Ah ouais, Lewis, elle, c'est... C'est une guerrière. C'est une guerrière. Alors, il y a quand même pas mal d'armes, mais c'est... Nos munitions sont toujours à 50, c'est bien. C'est très bizarre. Et attends. Ok. On va pouvoir aller par là. Et Paul Verhoeven a eu l'idée déjà pour essayer de faire en sorte de pas trop galérer parce que bah il fallait plus d'une dizaine d'heures, entre 10 et 14 heures pour que le personnage enfile son costume. Donc c'était une galère. Ils ont commencé à tourner des scènes donc sans le personnage. Et la première apparition de Robocop est subtilement mise en scène parce que on découvre donc une bâche qui se lève
et en fait on ne voit pas directement Robocop, on voit ce que le robot voit. Donc celui-ci se lève, donc on a cette caméra donc, qui se soulève à hauteur d'homme et qui commence à avancer. Et pour ceux qui se rappellent, il y a un téléviseur sur la gauche de Robocop. En fait, c'est une espèce de caméra, parce qu'il est dans un labo et tout ça, et ça le filme. Et c'est la première fois qu'on le voit. Après, il passe à travers, enfin, il passe le long d'un couloir où il y a une vitre, où on ne le voit pas spécialement super bien, et c'est là après qu'il apparaît pour la première fois quand il va justement sur sa chaise, parce qu'il doit se reposer et se recharger en fait sur une chaise spécifique, où il donne même à manger, où il mange, Robocop mange de la confiture, de la compote de pommes, je crois. C'est un truc complètement, complètement taré, quoi. Mais c'était super bien emmené. Oh, Loïs! C'est dommage qu'on puisse pas voir notre personnage. J'aurais voulu voir s'ils avaient poussé le vis. Vous savez, il avait cette posture. Quand il tirait, c'était vraiment... il était... alors, je recule sans foutre en l'air. Il avait ce geste avec la main, vous savez. Hop, pour équilibrer. En fait, c'était trop... Tout était très bien pensé. Tout était très bien pensé dans ce film. Même si c'est vrai qu'au début, Peter Weller donc, était accompagné d'un de ses... d'un de ses maîtres à penser qui l'aidait en fait à se projeter dans la peau donc de Robocop avec des mouvements vous savez saccadés un peu robot, et en fait ça n'allait pas du tout, et il a fallu en fait que Peter Weller adapte la démarche de Robocop. Donc tous ces petits gestes, ces petits mimiques, c'est lui qui les a donnés en fait à Robocop, même si il y a un moment ça a quand même failli partir en couille. Il a bien failli ne jamais être finalement l'acteur final de Robocop. Hein. Ça a failli partir en sucette pour lui. Hein. Parce que c'était un peu une diva, quoi. Il rajoutait des phrases et des impros sur le comment ça s'appelle. Oh Loïs, je vais te décoiffer si tu continues. J'espère qu'on l'aura, hein, ce mode. Je sais pas qui est passé devant moi, mais. Alors, à la manette, c'est un peu lent. Hein. Je vais pas vous mentir. Je suis pas super, super fan du. Mais il y a un côté... Bon, c'est Robocop, quoi. Le mec, c'est pas le plus léger non plus, quoi. Oh, pardon! Oups! Lewis, j'ai mis un petit cachou, hein. Je crois qu'en plus, il balance du calibre de psychopathe hein, dans le film. Hein. Ce qu'il y a dans son gun, c'est n'importe quoi. Hein. Je me rappelle la scène où, justement, il va tirer sur des cibles. Non mais le bruit du gun, t'as tous les flics qui sont là. Oh, c'est quoi ça? Je testerai quand même à la souris voir si c'est plus vivace, parce que là à la manette c'est chaud. On a vraiment l'impression d'être Robocop, hein. La lenteur et tout ça. Ah, je l'attendais ça, je voulais savoir. Ah. Objectif investigation. Alors, you can use Robocop Vision. D'accord. Alors, la Robocop Vision, c'est quoi déjà? C'est... Ah, trop bien! Trop, trop bien! Ils ont pensé à plein de trucs. Salut Famso, comment ça va? Ils ont pensé à plein de petits détails.
Alors, j'espère qu'il aura son... sa pointe là qui sort pour lire les documents là. Trop bien. Normalement l'ascenseur il décolle pas là, hein, parce que le bordel il fait plus de 300 kilos. À lui tout seul l'ascenseur il est en PLS. On dirait le chanteur de Prodigy. Bon là on est sur des ennemis hein, qui sont ouais, j'ai envie de dire c'est du menu fretin hein, c'est de la racaille de bas étage. Ah petit flashback. Je le savais. Ah, ils l'ont très très bien modélisé. Hein. Alors souvenez-vous, hein, Robocop, dans le premier, hein, qui est le meilleur de tous les Robocop, de toute façon, le personnage de Robocop est une personne, enfin, est un robot, mais il a encore sa conscience, et ses rêves, et ses souvenirs. Ça fait de lui une personne extrêmement torturée, quoi. Les pruneaux, ils sont passés à travers, là ? Apparemment, oui. Ah, puis ce petit thème musical, quoi. On y est, hein. On y est, vraiment. Bonjour, je viens réparer la photocopieuse. Ah, elle s'appelle Layton. Ah, ils se mettent bien dans le bureau, là. Quoi? Non mais... Mais je vais quand même pas leur balancer des ordinateurs à la gueule. Si? Non. C'est mes nouvelles munitions. Fuck that shit. Attends, je veux voir un truc. Parce que si c'est ça, le premier qui franchit la porte... Allez, je l'ai tué avec un ordinateur. Oh oui, on l'a. Je sais pas comment ça se fait, mais... Attends, il restait encore, là. On a eu un petit léchouillage du mode rafale. Ah d'accord, ok. D'accord, c'est ça la recharge. Bon, on va pas s'amuser à prendre tous les ordinateurs hein, du coin pour leur balancer à travers la gueule. Ça n'a aucun sens. Ok, des PC. C'est quoi? Ah non, c'est encore un PC, c'est pas une preuve. Ah, je veux juste voir un truc. Putain, ils ont géré quand même. Il faut le reconnaître, ils ont géré. Il y a un truc, clairement. Oh, allez. Eh, mais elle, c'est une dangereuse, hein. C'est une dangereuse. Ça doit être une cousine de la meuf dans Starfield, je pense. Hein. Y a un lien de parenté. Hein.
Moi je reste là, hein, je suis Robocop, hein, je m'en bats les couilles des dégâts, moi. Rien à cirer. Ah oui, les dégâts sont pensés aussi. C'est-à-dire que les ennemis. Les ennemis, si y en avait un qui avait un masque en ferraille, eh ben le fait qu'il ait un masque en ferraille, on lui fait moins de dégâts. Il n'y a pas de one shot. C'est stylé. Ça va promettre avec les combats contre les robots, les trucs comme ça. Ça va être énorme. Vraiment. Bon, il y a plein d'armes qu'on pourrait ramasser, mais c'est le gun de Robocop. Il n'y a pas mieux que le gun de Robocop, c'est pas possible. La puissance, quoi. J'espère d'ailleurs qu'on peut le modifier par la suite. J'espère qu'ils ont prévu ça, quoi. Je suis Robocop, moi je recule pas quand on me tire dessus. Je ne reculerai pas. Alors. Oui, t'inquiète, on arrive. Je fouille, laisse-moi kiffer s'il te plaît. Hein? Voilà, la télé on s'en fout. Ah ah! Quoi c'est? Ah ah! D'accord, des antidépresseurs. Oh non, ouais, l'ambiance est là. L'ambiance est là. Et c'est... Ça manque les films avec des ambiances comme celle de Robocop. Hein. C'est une parodie un petit peu de ce qu'était... comment ça s'appelle la puissance de commerciale de beaucoup de choses, quoi. La fameuse phrase « j'en prendrai pour un dollar » avec ses pubs complètement ouf, où on se moquait littéralement de ce qu'était en fait l'époque. Comment ça, Lockett? Alors... D'accord. Oups. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Oh merde. Je devais sauver les otages. Bon bah apparemment il y en a encore vivants. Ça va, c'est bon. C'est bon, il y a encore des... C'est bon, il y a encore des otages. Je suis Robocop, hein, je suis pas Flash, hein, faut pas déconner non plus. Plutôt cool quand même, plutôt cool. Ok. C'est dommage qu'on puisse pas lancer un scan. Allez, voilà, hop. Ok, let's go. D'accord, ils sont généreux sur les soins. Hein. Ils sont très généreux sur les soins. Par contre, c'est on voit l'arme là. Mais on peut pas... Ouais, d'accord. On peut pas modifier la cadence de tir ou ça aurait été incroyable. Ça aurait été incroyable. J'imagine que l'arbre de compétences, on va pas pouvoir non plus s'en servir. Oh, la vision nocturne. Là non plus, ça sert à rien. Ah, j'aurais pu même pré-programmer la manette. Mais bon, je vais pas me lancer là-dedans. On est là en découverte.
Non, mais c'est... Hey. Ouais, c'est super bien fait quand même. C'est super bien fait. On chargera pas. Trop tard. C'est comme les films des années 90. Ça, alors excusez-moi l'expression, hein, mais ça possède des couilles. Voilà, hein, on y va clairement. On va sur ce sentier-là. Vous voyez, lui, il a un masque. Alors que lui, il n'en avait pas. Ah, il a une armure, petit con, là. Vous voyez ? Voilà, par contre, la balle, elle est passée au bout d'un moment. Alors, j'ai vu qu'il y avait des choses à récupérer. Et il m'a balancé une grenade, ce con. Ok. Les glaouis. Là j'ai enlevé le service 3 pièces avec la cuisse. Hein. Je veux voir un truc. Ça fait quoi si je fais ça? Ah bah, ah oui, d'accord. La cacahuète dans les chicots, ça one shot. Tu tires déjà en semi-auto, tu balances. Ah bah, je me rendais pas compte en fait. Je me rendais pas compte qu'il tirait 3 balles en même temps. Parce que j'ai le souvenir, vous savez, de ce bruit si particulier là, le... C'est vraiment le truc qui m'avait marqué sur Robocop, quoi. C'est le gun qu'il a là, mais la puissance de feu, c'est juste fou, c'est juste fou. Alors on pourrait ramasser les armes, mais non, moi je m'en fous, je garde l'arme de Robocop. C'est leur vieux gun moisi là, j'en veux pas moi. En tout cas, ouais, en tout cas, l'ambiance est là. L'ambiance est là, je vous le dis. Ok, on est au max. Voilà, comme ça, on la récupère. On fouille, hein, pour avoir eh ben, le maximum de choses. Bon, ça, j'imagine, on ne peut pas l'ouvrir. Énorme. Bon, par contre, c'est pas super précis. Alors, je sais pas, Thanos, si t'as joué à la manette ou clavier souris. Mais bon, pour l'instant, à la manette, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan. Je suis pas habitué, en fait, au FPS et au jeu de tir à la manette. Pour moi, c'est pas compatible. Pour moi, c'est pas compatible tout ça. Oh là 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 là. Oh, il a pris. Oh, il a pris cher lui. Je crois qu'on l'a éparpillé un peu partout. Ah, ceux qui ont des masques, des parties métalliques, c'est plutôt bien fait. Ah
Bah, il y a un moment, le casque, il faut qu'il saute quand même. Faut peut-être pas exagérer. Ah oui, c'est qu'il faut rester appuyé, d'accord. Ça envoie du steak hein, quand même. Après, bizarrement, là, normalement, je devrais être en train de gueuler. Voilà, ouais, le jeu, il est lourd, le perso, il est lent. Mais là, en fait, bah, ça ne me dérange pas plus que ça. Pourquoi ? Parce que, Robocop, quoi. Robocop, c'est pas un ninja, quoi. C'est pas le mec qui se déplace... Par contre, un système de visée en auto où vous pouvez cibler plusieurs personnes à la fois et tirer, voilà, où vraiment l'action va suivre le ciblage automatique, ça aurait été énorme. Ça aurait été incroyable. Sérieux, tu me demandes, j'ai joué à un FPS à la manette sur mon PC. Bah ouais, c'est plutôt moi qui te demande pourquoi tu t'infliges ça. Bah, j'avoue, sur le coup, j'ai pas trop réfléchi en fait, je me suis dit bon bah voilà, la manette est là, la manette est branchée, elle était déjà branchée, mais un système de visée dans ce style là ça serait très 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 cool, parce que vous savez que justement Robocop dans le film donc a un système de ciblage très particulier qui à l'époque hein, est grave en avance. Je vous rappelle que là, Robocop, c'est censé être la pointe de la technologie. Donc effectivement, dans le film, pour ceux qui se souviennent, il y a ce quadrillage vert. Il va lock toutes les cibles dans la pièce, gentil ou méchant, hein, peu importe. Et il y a uniquement que les cibles qui vont apparaître en rouge qui vont être dégommées. Et là, ça aurait été excellent. Ça aurait été excellent d'avoir ce genre de ciblage-là. Là. Pff, oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Je dis let's go, moi. Bon, je pense qu'on a ramassé toutes les preuves possibles et inimaginables. Hein, quoi ? Ah, ouais, ouais. On s'en fout, nous, ça. Alors, est-ce que le vice est poussé à ce point-là ? Non. Parce que je vous rappelle que Robocop voit aussi à travers les murs. Il peut scanner, il a... énormément de choses. Il a un attirail extrêmement divers et varié, que ce soit des commandes vocales, visuelles, où il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Genre au son, il peut savoir dans une pièce combien il y a de personnes, etc., etc. quoi. Il peut cibler, il peut avoir fait un ciblage avant même de rentrer dans une pièce. Il a tout un tas de détecteurs. Et de capteurs qui font que le mec est une véritable machine à tuer. Hein. Non. Non, trop bien. Il a des... Donc là, on vient de subir des dommages. Le flou comme ça sur la caméra est plutôt cool. Mais là, il a des souvenirs. Avec le petit impact... Oh, on n'a plus le mode de visée. Ah si, mais ça déconne un peu. Ah,
Ah, c'est trop cool, il se souvient, il a des souvenirs. Comme dans le film, hein, les souvenirs qu'a Murphy, c'est des souvenirs donc de sa vie, de sa femme, de son enfant, de sa vie d'avant d'être Robocop. Et normalement, il n'était pas censé avoir des souvenirs. Il voulait créer une machine en fait qui soit certes dotée d'intelligence, mais qui suit finalement un programme. Et là, au fur et à mesure du film, au fur et à mesure du film, on s'aperçoit en fait que il a gardé un côté humain. Et c'est pour ça qu'à la fin d'ailleurs, hein, le grand directeur de l'OCP, quand il lui demande mais qui êtes-vous? Il répond pas Robocop, il dit Murphy. Qui êtes-vous? Je suis Murphy. Ah, c'est trop cool, c'est trop cool. Alors, par contre, il y a un truc qui va pas. Je me souviens plus. Je crois qu'il. Ah si, il lui reste son cœur, je crois. Il lui reste son cœur, mais il est à moitié mécanique. Ce que j'allais dire, bon, les battements de cœur, là, c'est pas ouf, mais si. Finalement, il a encore son cœur, je crois. C'est pas évident ça. Oh là 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 là, le comment ça s'appelle? L'otage, il a eu chaud au cul, hein. Il a eu chaud au cul. Le chauve là, il est encore plus chauve que quand il est rentré. Il va repartir, il est encore plus chauve que ça, quoi. Oh, vous la voyez arriver la scène? Oh, c'est très bien pensé. Trois secondes, c'est largement suffisant pour qu'il t'en colle une. Il va y avoir une balle. Pan! Quel synchro! Oh là là, je suis un génie! Ah, bah non, c'est d'accord. Cette image, quoi, ce plan, mon Dieu, quoi, tellement bien modélisé. Oh là 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 là! Classe, j'avoue. Allez, j'espère qu'il nous en donne encore un petit peu quand même. Allez, hein? C'est la petite sucrète. Encore un tout petit peu, s'il vous plaît. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Le comico. Ou je sais pas si vous vous souvenez, mais quand il ramène Clarence et qu'il le balance sur le bureau, l'autre qui lui demande de signer le registre, et l'autre pour signer, il crache dessus avec son sang. Ça m'avait choqué cette scène quand j'étais gamin.
Ouais, ils ont modélisé tous les acteurs, c'est ouf, c'est ouf. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. On reprend certaines trames du film. Avec l'hésitation justement du personnage, le fait que les médias, il y a une partie des médias qui aiment Robocop et une autre partie qui veut absolument le déglinguer quoi. On aperçoit derrière le logo de l'OCP. Isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. Time to see what's hiding in that metal head of yours. We know what's in Murphy's head. On voit que c'est encore une démo, hein. Il y a certains trucs qui sont pas, c'est pas figé encore dans le temps, je l'espère. Je pense qu'il va y avoir certaines petites améliorations. On peut voir quelques petits délires graphiques de temps en temps. Mais rien de bien méchant. D'accord, donc quand on est dans le Comico... Ah, on peut garder la vue comme ça, d'accord. Donc il faut qu'on aille dans notre cellule, je pense. On visite quand même le Comico. Bon allez, on y est. De toute façon, profitons un petit peu. Est-ce qu'on peut interagir avec les gens? D'accord, tu as des informations qui s'affichent sur les gens. Dans rapport perdu Bobby. D'accord, donc j'imagine qu'on va avoir des objectifs secondaires, des missions secondaires. Est-ce que ce qui me fait peur, c'est que est-ce que justement le fait d'intégrer des missions secondaires, machin, des trucs comme ça, j'espère que ça va pas partir dans un délire à la con. Ça serait dommage. Honnêtement, je préférerais qu'ils s'inspirent du scénario, peut-être entre le 1 et le 2, mais ne pas faire de trucs du genre vous pouvez vous balader et trucider machin, ça serait casse-couille, genre voilà, sauver Bobby, ouais bon, sauver Bobby quoi. Ah, la fameuse savonnette, le clin d'œil. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord, non, c'est notre objectif qui est là-bas. My damn locker won't open. Can you try? Il va t'arracher la porte. Wait, what is all this shit doing in my locker? Voilà. C'était obligé. Oh putain la vache. Il y a des petits clins d'œil. Mais qu'est-ce que tu fais? J'allais dire une connerie, mais...
Il y a des petits clins d'œil. Ouais, on retrouve l'ambiance du comico. Vous savez, le comico qui est pas propre sur lui. C'est voilà. On se promène. Ouais, l'ambiance est là. L'ambiance est là, clairement. Ok. On en profite, hein, ça va pas durer très très longtemps. Vous en doutez bien, ce n'est qu'une démo. On a le fameux siège, voilà, de Robocop. C'est pas notre objectif pour l'instant. Mais voilà, au moins, ils l'ont représenté, il est là. Ah non, mais c'est cool. Allez, on va aller à notre objectif. Alors, faut pas s'attendre à courir avec Robocop. Faut peut-être pas déconner non plus. Ils lui ont peut-être mis un mode roulette. Hein. Allez savoir. Robocop roulette. La musique typique des années 90. 80-90, hein, pour le coup. Avec ses fameuses directives premières. I can deal with blood, guts, but puke is a no-go for me. I'll be a sport and move his ass to the drunk tank for me. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Downstairs. I owe you one, Murphy. Oh no, the smell is following you. I'm gonna be sick. Ah, est-ce qu'on peut descendre par là du coup? I don't remember getting a roller coaster. Ah bah, on trimballe un mec bourré. C'est parfait. On l'emmène en cellule de dégrisement. Look who's back home. Just toss him in one of the empty cells. Ah, finally. Allez. Sleep tight. Il tente de dormir, hein, mon garçon. On a fait d'autres. Ok, on va remonter. C'est plutôt cool tous ces petits clins d'œil comme ça. Ah, je trouve ça sympa. J'ai un peu peur de ce qu'ils vont proposer, puisque je vous rappelle, hein, une fois de plus, nous sommes sur une démo, donc on va pas avoir le jeu complet, le jeu n'est pas terminé encore. J'espère que le jeu sera à la hauteur des attentes, hein, des fans, hein, des gens qui attendent beaucoup de ce jeu. Allons nous voir une scène emblématique. That's a nasty scar. I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. I'll just get this off. So here's the deal, Robo. Allez, on va voir s'ils ont fait du bon boulot. Perso, je suis persuadé que j'avais les sous-titres en français. Si, si, tu peux courir. Ça va pas beaucoup plus vite, mais tu peux. D'accord. Hey, pretty boy. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me. Physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your system so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Ils ont même été jusqu'à reproduire l'impact de la balle. On peut voir sur son front donc qui a tué Murphy.
C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. D'accord, donc on a tout un tas d'objectifs. Donc à chaque fois qu'on finit une mission, on a une évaluation, d'accord, avec donc la distribution de points pour l'arbre de compétences. Combat, armor, vitality, ingénierie, focus, scanning, détection, psychologie, combat. D'accord, ok. Shockwave. D'accord, on avait que ça à distribuer du coup. C'est pas ouf. D'accord, et on peut les enlever pour les remettre au cas où. Well, I can already see some unwanted activity in the hippocampus. We'll have to keep an eye on it. Other than that, everything seems to be installed correctly. To be sure, let's make a simple test to check that all circuits are in order. What are your prime directives? Serve the public trust. Protect the innocent. Uphold the law. Okay, nothing disturbed. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. I'm a police psychologist. I specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. Il y a des, ouais, il y a des traits qui sont repris à petite cinématique un peu plus sublimée. Les effets de métallique du personnage sont plutôt cool. Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, Reed wants everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we... Donc, ouais, je pense... je sais pas ce qu'ils vont nous sortir comme scénar. Je sais pas comment ça va partir. Est-ce qu'on retrouvera... Les grands méchants, hein, avec Lawrence et enfin Clarence et tout ça. Allez, on y va. On suit le. On va suivre vraiment les objectifs de base. Il y a du monde, dis donc, au Comico. C'était par là. Murphy, I heard your schedule for calibration. Step right up and press the button. Est-ce qu'ils vont reproduire la scène? La vraie, la fameuse scène. Ah, j'arrive. Quoi, avec. C'est dégueulasse à la manette. Ah là là, c'est infâme. C'est dégueulasse. Attends, je vais tenter un truc. Ah bah oui, bah. Pff.
Ça n'a rien à voir. Il fallait que je règle un petit peu peut-être le DPI de la souris pour ça. Ah non, non, mais hey, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, on va sortir par contre de la salle, là. Parce que c'est juste infâme, le bruit, là, voilà. Alors là, on va s'éloigner un peu. Ah, comme ça, ça me permet de vous lire. Perso, je pense que le jeu sera plutôt mou et répétitif, mais au moins, c'est pas une bouse. Je rappelle que c'est le studio du jeu Rambo, qui est un riser shoot nul avec une réalisation déplorable. J'avoue. Alors après, on sent quand même qu'il y a une volonté, mais effectivement, déjà, jouez pas la manette, hein, ça n'a rien à voir. Clavier-souris, si vous avez un clavier-souris, jouez clavier-souris. Vous avez vu la différence ? Bon. On va pas se mentir, hein, à la manette, c'est dégueulasse. Mais bon. Mais bon, j'ai envie de dire. Ah oui, oh là là. Ouais, pour le déplacer, hein, on va jouer à la manette. Hein, pour le déplacer. Parce que pour tirer, voilà, on passera sur autre chose. Hein, clairement. Hi, Murphy. Calme-toi. Ok. Est-ce qu'il y a des escaliers pour remonter ? Oui. Maintenant, effectivement. Alors, attends, si on peut courir. Ah oui, effectivement, c'est. Ouais. Thanos avait raison. C'est. Parler à l'officier Chessman. D'accord. Allez là-bas. D'accord. On n'avait pas un autre objectif ? Ou alors c'est celui-là. Casse-toi le drôle. What seems to be the problem, officer? Reed is in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. It's getting crazy in here. Could you open up another line and help me? I am here to serve the public trust. Servir et protéger. You're a lifesaver, Robo. This line is open. Oh, est-ce qu'ils vont le faire? Officer, I have a problem. My neighbors are. Est-ce que j'ai l'air d'un standardiste? Sans déconner. Est-ce que je ressemble à un standardiste? Sometimes I have to yell fire, fire to find him. Anyway, can you do something about my neighbors? Your behavior disrupts public order. I must issue a ticket. That's fine. I don't mind paying the price to have the cutest dog in all Detroit. Next. Attends, on va être obligé ça, de faire ça ? Vraiment ? Bon, mais tu t'es regardé avec ta tête de... I want details. Are you blind? I'm the guy from that poster, so... Here I am. Now, give me the money. Non. I will have to detain you. Fine, but... I still get the reward, right? Je
Chance de réduction de sentence. No. You cops don't appreciate honesty. Take him away. Next, please. Allez, casse-toi. Officer, I would like to report my son missing. How old is he? Ah, ça doit être la maman de Bobby. He's never been gone for so long without letting me know. How long has it been? Just over 2 days now. We do not consider an adult missing. 72 heures. Hein. Please, I'm begging you. Something's not right. You really need to find him. C'est vrai que, souvenez-vous, hein. Comment ça s'appelle? On va lui demander plus de détails. Ça se trouve, voilà, ça sera un petit truc un peu cool. Mais Robocop dans le film, au début, hein, il s'est les directives. Le reste, il s'en bat les couilles. C'est que un peu plus tard par la suite, hein, avec ses souvenirs qui reviennent et tout ça, il réagit différemment. Ok. Oui, non, mais la prochaine fois, tu vas te faire foutre, hein, clairement. J'ai pas que ça à branler. Moi, je suis Robocop, hein, je suis pas une assistante. Faut pas déconner. Je suis pas là pour ça. Hein. Moi, je suis là pour trucider les vilains. Word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the torch heads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. Okay. You go ahead, partner. I need to write this report, and there's something isoler else I need to do first. Ok. Est-ce qu'il y a des choses... Non, on a un objectif là-bas. Est-ce qu'on va avoir la fameuse scène où il descend et... Parce que souvenez-vous, Robocop a un véhicule qui lui est propre. Hein. Parce que Robocop, il monte dans une voiture standard, il explose. Souvenez-vous d'ailleurs, dans le film Robocop, hein, il y a un moment, il rentre dans une voiture qui n'est pas la sienne, il est obligé d'arracher le siège. Il arrache le siège conducteur. Si ma mémoire est bonne. Ah, ils auraient pu faire un truc où... voilà, ça se voit que c'est pas la sienne. Ok. Allez. Alors, est-ce qu'on va avoir le truc où on va conduire un peu? Est-ce que ça va être un peu ce genre de jeu où on va pouvoir utiliser la bagnole, conduire un peu? Est-ce qu'il y aura des phases de conduite, de course-poursuite? Ou est-ce que ça va être un jeu linéaire? Bah déjà, c'est pas nous qui conduisons. Peut-être pas pour le moment, mais peut-être qu'il y aura des courses-poursuites, etc., etc. Ça pourrait être cool, hein, d'avoir un jeu avec un gameplay qui change un petit peu pour éviter justement l'ennui du joueur. Que des couloirs bêtes et méchants, ça serait cool quand même. Ok. Ok, déjà, on voit qu'il y a des trucs là-bas. Le petit miaou qu'on entend là, le miaou. Trop mignon. Allez. Ah.
Moi, déjà, qui est. Je sais pas si c'est un autre objectif là-bas. Tout ce qui se met en surbrillance, on va aller jeter un œil. Ouais, non, mais c'est clairement. C'est clairement l'ambiance qu'il y a dans la vie de Détroit dans le film. Et ce petit côté là justement où on a le comment ça s'appelle, la caméra qui passe comme ça avec, vous savez, ces petites lignes là. I was going to be a cop. I even to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Si tu le dis. Tu peux rien faire. D'accord, c'est que des fois en utilisant. Ok, c'est bien vu, c'est très bien vu. On va pouvoir utiliser tout un arsenal. J'espère que ça, on va pouvoir développer l'arsenal de Robocop avec d'autres choses. Comme je vous le disais, hein, le fait qu'il puisse entendre, localiser, avoir peut-être plusieurs systèmes de visée où on peut déjà cibler les ennemis à travers certaines matières. Ou l'écoute aussi, quand il peut scanner une pièce, et, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein, oh, ça serait ouf. D'accord, on peut trouver tout un tas de trucs. Oula! Où l'engin là? Alors. Ok. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. D'accord, donc on peut se promener et aussi voir relever les infractions. Oh, mais c'est trop bien en fait, c'est trop bien. Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot. Franchement, le jeu est pas dégueu. Hein. Ça sera pas le jeu de l'année, c'est pas un triple A, mais c'est un bon double A avec de l'oseille. Parce que c'est pas dégueu. Hein. Clairement, c'est pas dégueu du tout. Hein. C'est en infraction, messieurs, là. Je vais vous goûter le cul. Towards a fellow citizen can be classified as a crime. Incarnant de bouton les raids. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Voilà. Petite leçon. Clean up on the double. Sinon, je vous pète la gueule la prochaine fois. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. You tell him, robot man. What a fucking joke. D'accord. Bah, la prochaine fois que je te croise, je te fume. Voilà. Ok. Allez. On va aller voir un petit peu. Petit scan comme ça, vite fait. Ah ouais, hein, c'est pas dingue. Hein, c'est pas dingue le déplacement.
marche rapide, c'est pas ouf non plus, hein. Hein? What this? Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le toit? Ah ah! Oh! Il y a la petite ambiance, il faut le reconnaître. Ok, on a fait ce qu'il y avait à faire. Contre Robocop qui monte et qui descend des échelles, je suis pas convaincu. Hein. Si vous vous souvenez du film, Robocop, c'est pas le genre de robot qui va s'amuser à faire des galipettes. Pour ceux qui se souviennent des films, c'est... Ah ouais, non, mais attends, je vais pas m'amuser à fouiller partout, quand même. Moi, je veux savoir... Voilà. On avance un peu, quand même. Normal. Oh, crap! Give me back my money, you piece of shit! Don't you cops ever get bored with harassing successful entrepreneurs? Hey! This shit is rigged! Serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Mec, il a pas le temps. Robocop, il arrive. Tu travailles pour Scott. Allez, dis-moi où il est. Look, I'm a busy man. J'ai pas le temps, je suis Robocop. Why don't you join me there and we'll talk? Oh, on second thought, you can't do that because you don't have a warrant, do you? Alors déjà, on a un drôle là-bas. Il y a lui. Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down. And where am I supposed to play hooky then? Looks like someone should give you a slap on the wrist. Normalement, j'aurais dû mettre la première, je pense. I know you. You don't hurt kids. Ouais, ça m'aurait peut-être apporté quelque chose d'autre. Allez, on regarde un petit peu. Donc on a notre objectif là-bas. On a vu qu'il y avait un drôle là-bas. Ah bah ouais, trop de lumière mon petit gars, trop de lumière. Ça aurait été très très cool de leur part. Alors je regarde vite fait, hein, les... Ouais, il y a les bombers derrière et tout.
ça aurait été très très cool d'avoir une petite borne Robocop par exemple, un petit quelque chose, vous voyez, qui fasse clin d'œil On dirait le générique, ça ressemble presque au générique des spéciales rétro gaming. La petite ambiance qui est. Allez, un petit scan. Ah, il y en a un qui a été pissé. C'est pas bien. Vous êtes des villes, hein, il y a des toilettes. Ah ouais, t'as plus de thunes. Bien fait pour ta gueule. Allez. Je regarde vite fait si je suis le caissier. Elle me donne faim là, des chips, des pizzas et tout là. Putain. J'ai faim maintenant. Mec, si moi je tape dans la porte, ça va te faire bizarre. Alors, d'accord, tu veux jouer, on va jouer. Tu veux jouer, on va jouer. Est-ce qu'il faut que je trouve d'autres... d'autres choses? Ah ah! Allez! On a trouvé! C'est pas bien, petit garçon. Enfin bon, petit garçon. Il est foncé. Eh, j'en étais sûr qu'il allait dire cette phrase, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mustérion de la chaîne Gaming Wiz, j'en prendrai pour $1. Alors, ça donne quoi ce Robocop? Eh ben, écoute, mon bon Mustérion, déjà, bienvenue à toi sur le live. J'ai envie de dire que pour l'instant, évidemment, c'est une démo. C'est un double A avec du pognon. Clairement. Le jeu visuellement est pas dégueulasse, même si pour l'instant, voilà, il y a quelques petits trucs qui font que c'est pas encore bien fixé. Hein. Le 3 novembre nous a dit normalement notre ami Thanos de mémoire. On retrouve l'ambiance, on retrouve les personnages, on retrouve une OST qui nous accompagne, une ambiance qui nous accompagne, qui est bien propre hein, au film de Paul Verhoeven. Des petites options, voilà, des petites options que Robocop possède, même s'il va y avoir un arbre de compétences à développer par la suite. Hein, ça, c'est voilà, armor. Bah, pour l'instant, on ne pouvait pas en mettre d'autres. Mais je pense que il y a un jeu qui... Voilà, il va falloir attendre que le jeu sorte complètement. Mais pour l'instant, ça va. C'est comme l'a dit Benzaï, c'est une sucrète, effectivement, pour nous, les vieux, quoi. Enfin, quand je dis pour nous, les vieux, vous me comprenez. Ceux qui sont nés dans les années 80-90 peuvent comprendre tout de suite. C'est la petite sucrète, quoi. Mais on retrouve tout un tas de clins d'œil, hein, mon... On dirait qu'on n'est pas à 60 FPS. Non. Oulala. Oulala, pas, apparemment pas pour l'instant. Allez, moi je l'ouvre la porte. Non mais dites donc. Je suis Robocop. Et si j'ai décidé d'entrer quelque part, je rentre.
On a aussi un sound design hein, très soigné. Mais le jeu souffre quand même de pas mal de petits défauts. C'est une démo, donc... Là, clairement, on a... Voilà, je vous montre. Ça, c'est... Je bouge. La caméra, enfin, le personnage, hein, avec la manette. Je bouge le personnage avec la souris. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que par la suite, on verra ce que ça donne le jeu. On verra combien ils vont le sortir, etc. Mais, effectivement, ça se joue clavier-souris. Hein. Surrender your weapons. Regardez comment c'est dégueulasse et regardez là. Alors hop. Tu prends même le temps de viser quoi. Il y en a encore un. Pas photo quand même. Quand même pas photo. C'est à la manette, c'est pas ouf. Hein. Voilà, on peut évidemment s'auto-réparer, mais c'est pas infini non plus, donc il faut pas faire le con. Et on accueille évidemment aussi Outsiders. Bienvenue à toi mon petit Outsiders. On se promène dans les rues de Détroit. Nous sommes le légendaire Robocop. Il y a pas mal de petites actions, de petits clins d'œil hein, qu'on retrouve dans ce jeu. Ah, on peut même balancer une chaise. Allez, tiens. Est-ce que je peux balancer le billard? Non. Bon, dommage. Dommage. Mais ouais, effectivement, le jeu est sympa. Le jeu est sympa. C'est pour. Je pense que ça va toucher pas mal de gens. Mais ce sera pas non plus le jeu de l'année quoi. C'est comme on disait tout à l'heure. C'est je pense que c'est pour les grands enfants. Je pense que le jeu va plaire aux grands enfants que nous sommes. C'est pas impossible. Et alors, quand on met des patates de forain, je vous dis même pas, c'est one shot. Hein. Sur des ennemis lambda, c'est one shot. Voilà, le fameux nuque. L'épreuve qu'on ramasse. Attends, je t'ai vu. Je t'ai vu, mon petit pote. Je t'ai vu passer, là. Oh. T'es sérieux toi? Oh. Je sais pas dans quoi j'ai tiré, mais j'ai tiré. Alors, voyons voir. Oula, les sensations de tir n'ont pas l'air très soignées. À la manette, c'est dégueulasse. Le son est bof. Ça va. Honnêtement, ça va. C'est encore qu'une démo. C'est encore qu'une démo. Attester, manette en main. Alors, c'est pour moi. Non, Musti, c'est attesté. Regarde la différence, Musti. Voilà, vraiment, hein, la manette, voilà, hein, avec le joystick, avec la souris. Il y a quand même, voilà.
Là, c'est parce que ce soir, je vais pas me prendre la tête. Hein. Je fais ça tranquille, chill. On y va tranquillou. On peut scanner et analyser une pièce pour récupérer des informations. Mais ça va être un petit jeu, je pense, sans trop de prétention. Ça va être un petit jeu sympa. Mais qui n'affiche pas, voilà, une... Est-ce que je peux faire ce que je pense que je peux faire? Non. Mais peut-être que... Oups, pardon. Ok. Tiens! Toqué à la porte. Ok. Ah! Oh merde! Pardon. J'ai cassé. Ah oui, je suis carrément arraché le bras, quoi. La violence, quoi. C'est la violence. On peut passer. Non, c'est. D'accord. Ça, c'est juste des éléments du décor qu'on peut potentiellement arracher ou balancer. Ah ah! On a potentiellement un autre objectif. Qu'est-ce que c'est? Il va falloir que je regarde ce que c'est que ce truc-là. D'accord, il y a quelque chose apparemment. Ok, ça on s'en fout. Je vais pas m'amuser à me trimballer avec un écran d'ordinateur à la main. Qu'est-ce que... Ah ah! Voilà! En surbrillance. Oh, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que je peux lui... Ah non, d'accord, je peux pas lui prendre des mains. Ah! Ok. Ça on peut toujours pas pour l'instant. D'accord, c'est qu'en fait on peut. D'accord, si je fais ça. Ah oui. C'est qu'en fait on peut cibler et voir en fait ce qu'ils ont. D'accord. Et là, tu fais. Ok. C'est noté. Donc quand il fixera les mains, c'est que il y a potentiellement quelque chose de dangereux dans les mains du type, quoi. Ok. Alors voyons voir. Alors, je me doutais que tu dirais ça, Thanos. Alors, on est un. Je me défends bien à la manette. Alors, oui, mais tu vas voir que c'est extrêmement lourd. Là, le gameplay en lui-même est. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça ne me choque pas plus que ça. J'ai l'impression d'avoir un gameplay de PlayStation 3 un peu dans les mains. Mais ça ne me choque pas plus que ça, en fait, au final, comme je le disais tout à l'heure, parce que. On interprète Robocop. On n'est pas Tomb Raider, quoi. Donc, je veux dire, le personnage en lui-même est lourd et lent. C'est pas... voilà, il faut pas s'attendre à avoir un truc... Si tu me claques un gameplay de Modern Warfare sur un Robocop, ça n'a aucun putain de sens. Vraiment, ça n'a aucun putain de sens. Alors... ça manque de budget par rapport à un Call of Duty, c'est clair. C'est respectueux du matériau de base. Oui, je suis d'accord avec Thanos. Alors, voyons voir. Jouer au jeu, ça a l'air d'être bien respecté, de bien respecter les codes de l'offre de Verhoeven. Oui, tout à fait. Jouer au jeu Rambo, juste pour qu'on en discute. Quel jeu Rambo? Celui de 2014. C'est le même studio. Il y a quand même un setup de fou, c'est vrai. Salut Mussi, nous dit Nat. Ah oui, c'est... ah oui, carrément, Thanos. Hello, Nat, nous dit notre petit gaming whiz, notre petit musti. Ika, tu peux prendre les extincteurs et les jeter sur les ennemis. Ça pète très fort. Déjà, de ce qu'on peut voir, c'est que on a la possibilité de ramasser les armes qu'on va trouver, en fait, au fur et à mesure, sur les cadavres. Mais qu'est-ce que tu veux ramasser? Voilà,
Tu vois, même le jeu, tu vois, te dit, regarde, regarde ce que tu as dans la main, mec. Mais effectivement, hein, il va y avoir tout un arbre de compétences à modifier, à remplir. Et je pense aussi des choses à améliorer. Rien n'est jamais fermé pour Robocop. Open the door or you will regret it. That kind of guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes. Who am I hurting? Le personnage Robocop, hein, les autres persos un peu moins, mais regardez, le personnage est quand même très soigné. Hein. Il est soigné. Ils l'ont chouchouté. Mec, je vais ouvrir la porte et je vais te la mettre dans la bouche. Donc ouvre la porte de toi-même. Bah voilà. Alors il y a cette petite scène là où tu vois, à la manette, c'est dégueulasse quoi. C'est vraiment dégueulasse. Alors petite vue, on voit qu'il y a des choses. On aura notamment un indice sur le calendrier là-bas. Oh, la cervelle, elle est restée collée à côté du machin. Et c'est du sale, hein. C'est du Paul Verhoeven. Hein. Il fait du sale, Robocop. Hein. Il a pas le temps. Alors, on analyse la pièce. D'accord, il apparaît en surveillance. Pourquoi? Ok. Et on retrouve les fameux... Ah, il y a des... Voilà, hop. Ça a ouvert quelque chose. Allez, on continue d'inspecter. Attends, bouge pas, je vais te l'ouvrir. Level 6 requis. Ouais. Alors, on a des preuves. Le scan, voilà, qui se fait automatiquement. Et on retrouve aussi... Hein, Qu'est-ce qu'on est censé faire? Ah, je m'en doutais. Voilà. C'est très malin. C'est très très malin. Il nous en manque un. Le dossier peut-être ? Non. Ah, peut-être ça. Voilà. Il y a un petit côté aussi, voilà, on mène l'enquête, on est un policier après tout, on est un policier. C'est plutôt cool. Il y a des petits trucs, voilà, il y a des petites friandises éparpillées ici et là. Ok, des notes. Ok. Level 2. Ok. On va avoir besoin de d'accord, de pouvoir. Donc je pense que ça va être voilà. Ok, pour l'instant on l'a pas. On n'a pas assez de points. Est-ce qu'on peut l'enlever? Non. D'accord. Ok. Donc effectivement, ouais, on va, je pense, hein, devoir remplir aussi certaines missions pour faire du leveling et pouvoir avoir des objectifs supplémentaires et des compétences supplémentaires avec Robocop. Alors,
Est-ce qu'on peut pas sortir par là? C'était pas une porte? Il n'y avait pas une porte par là-bas? Parce que là, on peut pas. D'accord, donc en fait, il faut qu'on remonte. Ok. Mais voilà, il va avoir un petit potentiel, je pense. Hein. Faudra pas s'attendre au jeu de l'année. Mais il y a un petit quelque chose qui promet de pourquoi pas avoir un petit truc sympa. Alors, marcher plus vite, hein, c'est pas ouf. Regarde la zone. Alors tous les indices, tous les trucs apparaissent en surbrillance. Hein. Ouais, je pense qu'il faut ressortir. Mais il y a déjà une volonté de vouloir bien faire et de, surtout, comme l'a dit Thanos tout à l'heure, de respecter le matériel de base. Hein. On a un Robocop, on a un truc qui fonctionne. Ne faites pas de la merde à vouloir lui faire faire des trucs à la con. On reste sur ce qu'on connaît. Pas dégueu. Pas dégueu. Mais pas parfait non plus, pour l'instant. Et restons dans l'optique que c'est une démo. Bienvenue dans les rues des trois, mon bon Musti. Et il y a plein de petits trèfles, que ce soit au film ou on va aller vite fait par là. Il y a un truc qui me défonce l'oreille. Ah, c'est ma... D'accord, oui, c'est la mousse qui s'était décalée. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, ça me défonce littéralement la gueule. C'est un scandale, c'est un scandale. Voilà. Hop. Hop là. Voilà, avec la belle cassette du Game Stream Rose, évidemment. Hop. Là. Ok. Allez, on va poursuivre un peu. Alors, tout ce qu'on peut utiliser, donc je disais, apparaît en surbrillance. Elle est où la fameuse échelle? C'est que je me suis loupé ou bien? Ah, elle est là. Mais visuellement, il est pas dégueu. Faut pas... Hey, Robo, can you help me out here? Ouais, bah 2 secondes. Hein, tu... Laisse-moi 2 secondes, s'il te plaît, collègue. Les petites infos et tout ça... On peut même questionner les gens. Alors oui, Robocop qui monte une échelle, bon, je le disais tout à l'heure, hein, ça n'a aucun putain de sens, mais bon. On peut trouver des petits trucs ici et là. Il y avait des mecs qui dégradaient un peu comment ça s'appelle, la rue et tout le tralala. Le fameux magasin, putain, j'y crois pas, il est là. Il est là. Le pawn shop qu'on voit dans le film, il est là. Assist you, officer. I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dope head buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer.
Je pense qu'il y aura des missions, plein de petites missions annexes, des petites quêtes annexes, puisqu'il y a un leveling de vos compétences. Il va falloir pex un peu, quoi. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? Un système de choix de réponse aussi. I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others had their stash. We could collect Nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Non, petite... Aha! Il y a des choses à faire par là. Oh bah, ils ont pas sucé que de la glace les mecs là. Petit scan, hop. C'est l'échelle où on était. Donc ouais, j'imagine il va y avoir plein de petits trucs à faire, des gens à interroger, des petites missions, des sous-quêtes. C'est gros comme une baraque. C'est gros comme une baraque. Par contre, on ne peut pas forcément... On peut pas interagir avec tout le monde, quoi. Après, bon, est-ce que c'est pas plus mal, hein? Alors, voyons voir. Je mets le casque et je vais suivre le live dans l'ombre de ma couette. Mais avec plaisir, mon Russie, installe-toi bien. Ça risque d'être le meilleur jeu Robocop depuis Robocop versus Terminator qui est... c'est une purge. C'est une purge. De 1993, 30 ans. On revient de loin quand même, ben oui. Celui Amiga 500 était génial aussi avec l'OST d'origine. Salut Naku, désolé, je suis concentré sur mon jeu. Pas de problème, mon petit Outsiders, il n'y a pas de travail. Il charbonne l'Outsiders. Il y a des choix de dialogue, des points de compétences. Ce jeu est un RPG. Tu peux trembler. Baldur's Gate 3. Faut peut-être pas déconner non plus. Je rêve où il y a du ray tracing. Alors, c'est pas directement. Parce que. C'est pas forcément un ray tracing. J'ai pas une carte graphique qui me permet de faire du ray tracing. Mais le jeu n'est pas dégueu. Bon, ok, j'en fais un peu trop. Oui, calme-toi, Thanos. Calme-toi, s'il te plaît. Le jeu en lui-même n'est pas dégueu et ne demande pas non plus une énorme config pour le faire tourner. Mais regardez ça. Regardez la flaque. C'est pas dégueu quand même. C'est pas dégueu. Sachant que, apparemment, on peut pousser un peu plus. Oui, je me suis fait défoncer par un moustique, donc je me gratte la cheville. On peut pousser un petit peu plus, mais le jeu, quand vous lancez la démo pour la première fois, il fait un auto-benchmark entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'il regarde un peu, ok, on va voir les compétences de votre PC, allez, on fait en fonction de ce que votre PC est capable de faire. J'imagine que Thanos, tu devais l'avoir un peu plus joli encore. Donc voilà. Mais l'univers est là, l'univers est respecté. Par contre, comme on disait avec Thanos tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas trop encore. À quelle période on est. Est-ce que on est déjà Robocop? Donc en fait, violation de... D'accord, ok. Il y en a qui font de la merde. Allez. For some to learn how not to lose the track of time is to learn how not to lose their money. Oui, je disais donc... on est déjà Robocop. On commence le jeu, on est déjà Robocop. Et calme-toi, s'il te plaît. Et donc, du coup, tiens. Alors, comme ça, on tag mon petit pote.
Je vais t'attraper par le maillot, moi, tu vas voir. Viens voir ici, toi. Screw you, man. T'es un petit comique, toi. D'accord. Bah, tu peux te barrer, mais je veux dire... cours pas non plus super, super vite, hein, notre Robocop. Et tu crois franchement que tu vas nous échapper? Mais t'es un comique, toi. T'es un comique. Mais t'es complètement con. Mais t'es complètement con, ma parole. Hein? À qui t'as affaire, hein? Pas l'inspecteur Gadget. Viens là. Petit con. Non, mais sans déconner. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. Ouais, c'est un fou répressif. I'm still kid and only done it once. Mais ça le fait. Just let me off with a warning, will ya? Complètement. Dernier avertissement. Je te fracasse en deux. Yes, sir. Thank you. I'll do my best not to get caught again. Voilà, la prochaine fois, ta bombe de peinture, je te l'enfonce dans le derche. Et tu feras des petits proutes en couleur. T'as compris, petit con? Le fait de pouvoir un petit peu... Là, vous voyez, on a ces fameuses lignes. Quand en fait, il est déjà en mode recherche, scan et tout. C'est cool. Il y a plein de petites sucrètes qui sont proposées aux joueurs. J'espère vraiment qu'ils vont développer le gameplay. J'espère qu'ils vont le développer. Qu'ils vont faire quelque chose d'un peu plus pointu, d'un peu plus audacieux. Mais tout en respectant l'œuvre de base. Alors tu vas me dire, certes, Ika t'en demande peut-être un peu beaucoup. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'est pas obligé d'avoir un triple A pour avoir un bon jeu. Tout simplement. Effectivement, là, le gameplay, je vais pas vous mentir, hein, manette à la main. Je suis sur un jeu PlayStation 3. Hein, c'est pas... Il n'y a rien de transcendant, hein. Il y a des jeux beaucoup plus récents avec beaucoup moins de budget qui font mieux au niveau gameplay. Mais voilà. Le fait, comme je vous disais, c'est Robocop. Alors, moi, du coup, je pardonne plus facilement. Mais c'est vrai que si je dois acheter le jeu, je joue clavier-souris. Je ne jouerai pas manette. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est trop mou du cul. C'est trop mou du cul. Je veux bien... Voilà, qu'on soit Robocop, mais attention. You need to be taught some manners. Allez, let's go. Je recharge plus vite. Oh, ce qu'il s'est pris dans la gueule. J'ai laissé faire. Allez. T'es sérieux, copain? Ah oui. Ah oui, il est sérieux, lui, par contre. On a un client. Très bien, tu veux jouer? Voilà. Fallait réfléchir à deux fois, mon lapin. Alors. Les musiques, hein, sont très inspirées aussi, hein. On avait tout à l'heure le main theme. Il est où, ce con? Ça va être en hauteur.
à la manette. Non, non, c'est infâme. C'est infâme. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sensibilité, tu vois. On sent rien, en fait, à la manette. C'est sec. Alors qu'effectivement... T'es sérieux, tu vas vraiment faire ça? Attends, est-ce que ça va le faire? Non. Bon, par contre, le jeu est crade. Hein. La cervelle est collée au mur. Hein. Vraiment. Mais bon. Tu sens que c'est pas fait hein, pour jouer à la manette. Voilà, c'est infâme, c'est dégueulasse. Ok, mitrailleuse, machin, là, mais moi ça, je m'en fous un peu. Après bon, tu me diras la manette, on sent la légèreté du bonhomme. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Voir s'il n'y avait pas des trucs à récupérer. Ah, qu'est-ce que j'ai vu? Non, d'accord. Bon, vous voulez jouer comme ça? Allez. Je suis Robocop, moi. Je suis pas ta mère. Allez, dégage. Il n'y a aucun plaisir. Oh, est-ce que je peux faire ce que je pense? Oh, 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 oh oui, oh oui. La magie du plomb, bitch. Là, on va rigoler 5 minutes. On va rigoler. Qu'est-ce qu'on a? Des chaises et machin, on s'en fout. Puis on prend le temps parce que bah c'est, alors on sait que le plaisir va vite s'arrêter, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a là? Des chaises, ok. C'est dommage, on peut pas faire comme dans le film, vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, faire un auto-ciblage ou un pré-ciblage. Des ennemis qui pourraient potentiellement se trouver là. On le voit quand il rentre dans les bâtiments qui scanne tout. Après il rentre et puis voilà, Oh le mur. Ça, petite référence au film. On va passer au travers. Là, c'est sûr et certain. J'ai un petit check rapide. Et alors qu'on entend les quelques notes du main theme. Allez, I'm Robocop. Ah, on voit rien, docteur. Pardon?
ils ont pris quand même très cher. Ils ont pris quand même très cher. Ah, level 6 quoi. Oh, vous êtes pas sympa les mecs. Laissez-nous kiffer, c'est la démo quoi. Laissez-nous kiffer un peu. En plus, genre, t'as pas le niveau pour ouvrir. Vas-y, rien qu'avec les mains, il t'arrache le coffre quoi. À main nue, il t'arrache le coffre. Il rigole pas, Robocop, il a pas le temps. Il a pas le temps. Ben oui. Ah ouais, je peux faire ça moi en tant que Robocop? Vraiment? Ou c'est une blague et que je vais m'écraser comme une merde? Attends, c'est quoi? Y a pas une preuve là? Mais si, enfin voyons. Ah. Bon pareil, hein, regardez les cadavres quand ils sont morts. Bon. Pour l'instant, il y a un petit souci. Un petit problème. Ah, celui-là tout particulièrement. On a un problème, docteur. Je sais pas dans quel état. Je sais pas comment t'as fait pour te retrouver dans un état pareil. Je ne sais pas. Volonté de nuire? Je ne sais pas. Allez, on est Robocop. On y va. C'est ici. Ah ouais, la manette c'est vraiment dégueulasse. Je conseille vivement de jouer clavier souris. Parce que c'est pas dingo. Pour l'instant, ça sera mon point négatif pour l'instant. Voilà que à la manette, c'est dégueulasse. À niveau de Rocky, vraiment? Sérieusement? D'accord, pour l'instant, on n'a pas d'autres points à attribuer. Oh, t'as volé avec la porte. C'est dégueulasse à la manette, c'est infâme. Attends, on va faire un truc. Est-ce que par hasard, oh putain, même dans le menu là, c'est dégueulasse. Est-ce que par hasard, d'accord. Ah, ok. Attendez, voilà. Oula, il y a tout le bordel qui se met à clignoter comme un sapin de Noël. Ok. Tac 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 tac, le reste ça fera l'affaire. Allez, bye bye la manette qui prend 3 ans là. Ok,
Allez. Wow, 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 wow. Attends. Putain, le truc est inversé. Tout ce que je déteste. Option. Ah, c'est mélangé avec la souris. Oh là là là. Oh là là, le menu, c'est dégueulasse pour l'instant. Putain, c'est infâme. Le menu, il est dégueulasse. Alors, c'est peut-être là-dedans. Ah oui, voilà, c'est là. Évidemment qu'on n'inverse pas. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On n'inverse pas le haut du... Le bas du haut. Non, non, c'est de la merde, ça. Voilà, en bas, c'est en bas. En haut, c'est en haut. Ou en bas. Le recul du flingue est bien fait aussi. Quand tu as cette arme là dans les mains, tu la sens la puissance. Hein. Tu la sens bien. Ah, j'ai pas de heal donc normal. Par contre, il va falloir que je fasse en sorte, parce que j'ai travaillé tout l'après-midi sur After Effects et ça se voit. J'ai réduit mon espace de travail et donc ma souris, j'ai très peu de move dessus. Non, je veux garder mon arme. Ça, par contre, t'as intérêt à pas faire de la merde. Ah non, 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 non. Ça va pas être cool. Changer les armes comme ça, là, sur une touche à la con. Non. Alors, par contre, du coup. Ok, chef, fais de la merde, chef. Je sais pas du coup, j'ai pas fait le tuto avec le perso pour scanner. Donc s'il y a des trucs que je vois pas, vu que j'ai appris un peu que à la manette, ça va être un peu complexe. Ouais. Mais non, mais putain. Au secours. Donc c'est la touche Q. Il doit y avoir une merde avec hop contrôle voilà je peux descendre les infos si tu putain. Mais elle est pas réassignée ailleurs donc je comprends pas. Bon, on va partir du principe que un petit bug. Sensibilité, machin. Ok, bon. On va partir du principe que c'est un petit bug. Mieux à la manette, hein. Y a pas photo. Ok, on a l'objectif qui est là-bas. Ok, on va avoir des indices là-bas. On a un truc derrière. Ok. On a une autre Gatling. Oh mais oui, évidemment que je la prends. Quelle question con.
évidemment que je prends. Voilà, des preuves, en veux-tu, en voilà. Allez, on recharge. Ah oui, y a pas besoin de tirer dedans, ni de le mettre devant une source de chaleur. Ça te pète littéralement à la gueule. Toc, toc. Ah. Are you the police informant? Do you know where Quelques petites merdouilles. Mais c'est pas grave, ils vont peut-être le corriger. Alors, voyons voir. Bonne nuit, mon cher Mussy. Bah, bonne nuit. Je sens le dodo qui arrive. Je vais m'endormir devant le live. Il n'y a pas de problème. Bonne nuit, mon bon Musty. Des Musty bis à tout bientôt, tout le monde. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur le visuel du jeu. J'ai fait un truc simpliste. Très, très simpliste. Hein. Donc, si dans la semaine, tu es dispo, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit message sur Discord. Tous les après-midi, normalement, je devrais être là. Je devrais pas travailler l'après-midi. N'oublie pas de check ton Discord. Si tu as entre 40 et 50 ans, les petits défauts sont pardonnables. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais il faut être réaliste. Si tu n'es pas attaché à la licence et que tu joues comme un FF de 2023, c'est plutôt moyen. C'est même pire que ça. Mais je ne vais pas me plaindre parce que du coup, le jeu s'adresse à moi. Oui. Il s'adresse à une génération spécifique. Il ne faut pas se mentir. Les drôles qui vont arriver là-dessus, qui jouent au dernier Call of, ils vont faire « les pourris, ton vieux !» Bah oui. Ils veulent des trucs qui... Ça répond du feu de Dieu, quoi. C'est, tu fais des pirouettes cacahuètes avec ton gun, la Fortnite... ça n'a aucun putain de sens, quoi. Je pense que les jeux tirés de licences de films, surtout tirés des films des licences des années 80-90, s'adressent, je pense, à une, à des gens qui sont des gens nostalgiques de revoir les héros de leur jeunesse revenir au goût du jour. Quoi. I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries, so they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Oh, bah oui, bien sûr, hey, c'est un opportuniste. I prefer a street entrepreneur. You know what they say, good business is where you find it. Les Bee Gees, on les a bouleversés quand même. Pourquoi récupérer des armes, des machins, des ceci, cela, alors qu'on est Robocop? Attends, je vais t'ouvrir la porte, tu vas voir. Avec le petit logo de chargement de OCP. Putain, du coup, j'ai envie de revoir le film. J'ai envie de revoir le film. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. You seem proficient in undertaking police tasks. Ever thought of making a living out of it? Oh no. One thing you should know about me,
I love cops, you know, law enforcement, laws, all of that. I think those are great ideas. But so is Nuke. And when I need it, I tend to forget about the other stuff. So, you know what they say. You can only serve one master. How do you know Officer Briggs? We go back a long way. He gave me a helping hand when I hit rock bottom. And I've been in his debt ever since. He even introduced me to his family. Great kid and wife, though his missus don't seem very fond of me. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough, he always tells me to be careful when getting info. But the truth is, I'm not the one running around gangster's paradise dressed in blue. Need to go. Duty awaits. About that. I've got a favor to ask. I know that Briggs is missing, but I've got something that belongs to him. He must have misplaced it the last time he visited my crib, and it's kind of weighing me down. What is it? It's his wristwatch. Now, I feel bad holding on to it. Could you please give it back to his family? This is stolen property, and you expect me to return it? Gee, that sounds bad when you say it like that, but still, you shouldn't let me hold on to expensive things. That's how I ended up in this situation in the first place. I will make sure they receive it from the repentant thief. Oh, boy. You're a tough negotiator. But surely you don't mean now. I gotta chillax after all this. We will proceed with haste. Ah, for God's sakes, man. As you command, Officer Steely. Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Alors, je sais pas combien de temps de jeu il nous reste encore. Oula, calme-toi, téléphone. Apartment 21. Appartement 21. Man, my hands are sweaty. Are you going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people. Sit. Breath. Let's do this. You first. Robocop. Are you here about Mike? Yes, I'm sorry to hear about your husband. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna say? Allez, bim, dégage. À la porte, junkie. Ta gueule, hop. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Are you any closer to finding my husband? We are still looking. Is there anything more that you can tell me about his disappearance? I've already reported what I know, but if you have any more questions, shoot. Why do you think that Pickles is involved in your husband's disappearance? My husband's a good man. Sometimes too good for his own sake. He believes in second chances. Mais l'histoire proposée a l'air quand même d'être plutôt sympa. On reste dans l'univers. On enquête, on va chercher des preuves, on va chercher des indices, on pose des questions aux gens. On a ce petit côté, voilà, on est le robot policier, hein, c'est pas pour rien. I heard that he was looking into reports of bodies going missing. An old lady approached him at the precinct and told him a sob story about how she couldn't afford to bury her husband. You believe that? Anyway,
When she finally collected enough money and went back to the morgue, only to find that they had lost her husband's body, Mike went to check it out and never came back. Where was the last location that he was seen? I remember him telling me that he was leaving his jurisdiction, that that's where the leads were taking him. I tried to convince him not to go. It seemed dangerous, but he felt sorry for that old lady. He went against his own rules and me. He left angry because we'd been arguing. Do you remember the exact location? He never told me, but maybe it's in his files. I think I have everything I need for now. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to break it down for our son. He does not know? I didn't know how to tell him. He's a smart kid, and I think he suspects something. Could you maybe tell him to come home? It's getting late, and the streets aren't safe these days. He normally dawdles, but having you tell him should light a fire in his britches. I will make sure that he returns home, madam. Thank you. He's playing on the basketball court nearby with his friends. Ok. Déjà, hop. Le petit scan. Est-ce qu'on a autre chose à scanner là? Tant qu'on est dans la baraque. Recommandation. Ok, normalement c'est OP. On est tellement lourd qu'on devrait se retrouver directement chez le voisin du dessous, hein. Allez, bisous. Allez, viens, Junkie, on redescend. We are not done. We're not. You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? Allez, dépêche-toi. On n'a pas toute la nuit là. Il y en a qui bossent demain, on a du ton. Oh. Alors en plus, on prend notre temps, donc bon. Alors, on est sur le terrain de basket. We are going to remind Gale's son that it is past curfew. Ah, tranquille les mecs à côté de la scène de crime. Good evening, citizens. I need. Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Toi déjà tu vas te calmer parce que tu parles très très mal, monsieur. Alors, calme-toi. We all have to obey the rules of the games we play. Unsportsmanlike conduct makes all players look bad. That's right, fool. That was a technical foul. I didn't know he's so delicate. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk they found lying around that crime scene over there. Thank you for the information. Congrats, guys. You just became police informants. It has its perks. Oula, là, là, carrément le perso qui est sorti du cadre. Tout va bien. Ok, non, on n'est pas là pour rigoler, mon petit lapin. Là, par contre, Ah, there's more over there. Putain, pourquoi j'ai. Oh man, are we really jaywalking? Putain,
Putain, j'ai l'impression d'être à la manette là, ou alors peut-être c'est voulu, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Ok. Ah, c'est bizarre. Ah, c'est bizarre, c'est lent d'un coup là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? TPI qui est tombé au plus bas ou quoi là? Ah oui, là c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Putain, bizarre. Print size 7. That's gotta be his. Mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il a décidé de péter un bon jeu ou quoi là? J'ai le DPI là qui est parti en RTT ou quoi là? Hein? Qu'est-ce qui se passe le jeu là? Oui, bon, bah ça va, on a compris. C'est devenu lent d'un coup là, je peux rien faire d'autre. Locked. They did not go inside. J'ai pas le temps. Il a pas le temps, Robocop. Pourquoi c'est lent comme ça d'un coup là? C'est voulu ou pas? Si c'est voulu par le jeu, c'est de la merde. Hein. Putain, je comprends pas du tout ce qui se passe. Là, je suis au plus bas. C'est toujours un peu mieux, mais... Voilà. What the fuck? That was close. We better hurry. Non mais attends, c'est pas possible, je peux pas jouer comme ça. Qu'est-ce que... C'est quoi, c'est des réglages en plein jeu, quoi. Ah bah oui, tu vas me pousser un peu la sensibilité, mon petit lapin. Allez, on va voir ce que ça donne à 60%, mais... Est-ce que c'est... Voilà. Je crois pas plus de différence que ça. Mais...
D'accord. Yo, Daniel. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit. Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! Petit con. What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. T'as tiré sur un agent de la police, là. Mais ça va pas ou quoi? You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning. Someone's got the drop on you. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Come on. Sit down. We need to talk. Those friends of yours, they take the easy way out. You don't want to go down that road. It leads to a dark, lonely... Ah, je fais juste un petit truc. Hop, hop. Voilà, comme ça, j'en profite. Tac, pour fumer une dernière clope avec vous. Je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Je pense. N'hésite pas à me dire, du coup, mon bon Thanos, hein, si on est loin de la fin de cette démo ou pas. Ça fait un petit moment qu'on joue, même si on prend notre temps. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't you think there's someone else who could use that kind of support now? Mom. See, you already know what to do. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? La symbolique de la montre. It's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Oh. Je vois un petit chat qui se balade. Let's get you home. Ça sent le braquage de croquettes. No. She doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. I have to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. Okay. Alors, je vais en profiter vite pour prendre un petit truc à voir. J'arrive tout de suite parce que là, j'ai la pâteuse, mes enfants. J'ai la pâteuse. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien au bonhomme quand ça descend, là. Ouh. Ok, alors. Hop. On se réinstalle, évidemment, avec vous. Je suis même pas allé jusqu'à la fin. Du coup, je sais pas. Bravo, Thanos. Bravo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Thanos? Hein, je t'ai vu, t'as joué 52 minutes. C'est ce qui était marqué sur ton profil Steam, hein, quand je me suis connecté au jeu et que j'ai pris le jeu. 52 minutes, enfin, voyons. Qu'est-ce que c'est que c'est notre Thanos? Qu'est-ce que ceci? Hop là, allez.
Tac, je roule ma clope vite fait. Et on est reparti. Je pense qu'on doit pas être très très loin de la fin. Hein. On avait dit à peu près quoi de 2 heures. On a pris notre temps, tranquille. Je pense que t'as une petite mission ou deux. Et puis après, ça s'arrête là. Hein. Je pense. Hop. Alors, on va avancer un petit chouï. L'impression de bouger un 38 tonnes quoi. Bonjour. Non, ok. Il y a des petits trucs à voir, mais pas. Voilà. C'est, je pense des petits détails à droite à gauche. Ah, il y a le miaou. Oh, miaou alors. Oh putain, t'as une sale gueule le chien. Waouh, c'est pas le miaou dans ce trait. Hein. On en est à des années-lumière. One parking ticket is all it takes to approve mindfulness. Normalement, je prends ta caisse, je la soulève et je la jette. T'as fait 2 saltos avant de retoucher le sol. Mais j'avoue, j'aurais aimé quand même avoir l'histoire de Robocop. J'aurais vraiment aimé. Ah, c'est la fin. D'accord, donc en fait, bah voilà. En retournant à la voiture, eh bien, on s'arrête sur ça. D'accord. Donc en fait, bah, j'imagine hein, que. On a toute une suite. Mais j'aurais vraiment aimé avoir l'histoire. De Robocop en elle-même, c'est-à-dire là on retrouve le capitaine de police, on retrouve Lewis, on retrouve le scientifique, le directeur des opérations. On n'a pas vu les autres personnages qu'il y a dans Robocop hein, mais on n'a pas vu la naissance non plus de Robocop. Donc je ne sais pas où me situer. Est-ce que y a un parallèle avec Robocop 1 et 2? Est-ce que ça se passe entre les deux? Est-ce que c'est quelque chose de complètement différent ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas trop où est la chronologie. S'il y en a une, on ne sait pas trop en fait. Mais bon, j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est une petite sucrète, voilà. Je reprendrai les mots de Benzaï, une sucrète pour les petits vieux que nous sommes, hein, la génération 1980. Donc, ceux qui ont connu hein, les films Orion, notamment le premier Terminator et Robocop, hein, les films de Paul Verhoeven, mais pas que. Cette patte, cette ambiance, cet univers, tout est là, clairement. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment sur cette découverte de Robocop. Bon, ça se finit un peu... Voilà, un peu de façon abrupte. Bon, on aurait bien aimé peut-être retourner au Comico, tu vois, ou un truc comme ça, ou faire un petit quelque chose. Mais en tout cas, bah, j'aurais passé un bon moment avec vous. Ah, je me suis trompé de scène, quel con! Voilà. Bon, pas voilà. On reste avec l'ambiance hein, en arrière-fond. Moi, j'ai envie de dire, ça aurait pu être pire. Oui, clairement, je suis d'accord avec toi, Tadon, ça aurait pu être pire.
On aurait pu avoir un sinistre étron, mais bon. Après, voyons voir ce que le jeu donnera. Voyons voir à quel prix ils vont le vendre. Hein. Moi, 50 balles, il n'y a pas moyen pour ça. Même si coup de cœur, parce que c'est Robocop, faut pas pousser mémé dans les orties non plus. Et puis on verra bien. On verra bien en tout cas. Mais bon, moi je dirais pas plus de 20 balles. Pas plus de 20 balles pour un Robocop qui a un gameplay qui s'approche plus d'un gameplay de PlayStation 3. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment juger pour l'instant, vu que c'est une démo? À voir, j'ai envie de dire, à voir. On verra bien ce que ça donnera par la suite. En tout cas, je vous remercie. On remercie la modération, on remercie Nat, évidemment, Galanterie oblige, Thanos, qui est venu faire un petit coucou, et croyez-moi, au Robocop, hein, et les films de Paul Verhoeven. Il les connaît bien, il les connaît bien. Évidemment, notre Mustique est passé faire un coucou, mais aussi notre Max Blade, qui doit faire un gros dodo à cette heure-ci. Et puis, évidemment, les copains et les copines de la communauté. Des gros bisous aussi à notre Musti, à la Team Gaming Wiz, qui, pour vous dire, hein, je travaille en ce moment sur l'aspect visuel du jeu qui a été réalisé par Musti. On va croiser un petit peu nos données, voir un petit peu si ça colle, si ça lui convient, si évidemment, hein, si c'est tout bon pour lui, parce que c'est lui qui a écrit le jeu, qui a pensé le jeu. Et je pense qu'on va bien bien se marrer cette année, hein, c'est pour le Games Remy Rose, je vous rappelle, du 27 au 30 octobre, en direct sur YouTube et sur Twitch. Nous serons à Lyon, dans les locaux d'XP School, une vingtaine de streamers sur place, tout autant en distanciel pour nous aider. Aujourd'hui est sortie la publication de Guillaume Astuce. Donc n'hésitez pas à aller le voir sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc., etc. Le lien du GameStreamHeroes.fr, comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo. Sans oublier notre partenaire Horus, hein, vous avez le lien également si vous voulez des lunettes de gamer faites par des gamers pour les gamers. C'est là-bas que ça se passe, à des prix ultra attractifs. On aura fait la petite pub qui va bien. Je vous souhaite évidemment une très bonne nuit, bon courage pour demain. Et puis, comme d'habitude. N'oubliez pas, c'est du jeu, amusez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Ciao, c'était Ika, bonne nuit!